Il y a un petit moment déjà, j'ai publié sur cette chaîne une analyse de Fire Emblem 7, le premier de ces RPG tactiques à avoir été publié en dehors du Japon, qui se concentrait sur les bases de cette série et leur articulation autour de la mécanique centrale de Permadeath. La conclusion de cette vidéo était que FE7 était une sorte de No Man's Land pour Fire Emblem, ne ratant aucun de ses aspects importants, mais n'en réussissant non plus aucun de manière éclatante. Et qu'en tant que tel, c'était un jeu admirable, et une expérience plaisante, mais qui laissait la désagréable impression de ne pas avoir accompli son plein potentiel. Le truc, c'est que cette remarque est valable pour l'entièreté de la série Fire Emblem. Malgré ces 16 épisodes au moment où j'écris cette vidéo, tous ont leurs forces et leurs faiblesses, et on attend encore l'épisode parfait pour lequel la liste des qualités ne serait pas suivie d'un gros mais. De mon point de vue cependant, et du point de vue d'une partie non négligeable de la communauté si on en croit tout ce qui est top 10 en ligne, le moment où la série a le mieux approché cette perfection est avec son 9ème épisode, Fire Emblem Path of Radiance. Path of Radiance est sorti en 2005 sur GameCube, c'est la première partie d'un diptyque, terminé sur Wii en 2008 avec Radiant Dawn, mais pour aujourd'hui on va se concentrer sur ce premier volet. Path of Radiance s'envisage de toute façon très bien comme une expérience complète, tant dans son scénario que dans son gameplay, avec seulement quelques pistes scénaristiques laissées ouvertes sur la fin. Pour jouer à Path of Radiance en 2020, vos options sont limitées. Vous pouvez rester dans la légalité et vous procurer la boîte du jeu pour le faire tourner sur votre vieille GameCube fatiguée, mais il se négocie à prix d'or, et le raccord GameCube écran HD est complexe, coûteux et donne des résultats moches. Ou alors vous pouvez l'émuler sur Dolphin, Yada Yada, vous connaissez la musique. On est là typiquement sur un cas où c'est très difficile de justifier moralement de ne pas émuler le jeu. Il est presque introuvable, Nintendo ne montre aucune volonté de le rééditer sur Switch, et même si vous craquez votre LEP pour la version physique, ce sera de l'occasion, donc Nintendo n'en touchera pas un copec. Mais enfin bon, c'est vous qui voyez. Le passage de la Game Boy Advance à la GameCube n'apporte que des changements esthétiques à la série Fire Emblem. Dans le fond, on a toujours une alternance entre narration en mode visual novel, avec portrait des personnages qui dialoguent sur un fond fixe, et gameplay tactique. La limitation des occasions de se battre et donc de faire gagner de l'expérience à vos unités implique toujours de planifier un minimum sa partie et de faire des compromis entre court terme et long terme. Et bien entendu, si jamais vos personnages meurent, vous devez soit recommencer le chapitre en cours du début, soit assumer de continuer sans eux. Sur la forme, le jeu est maintenant en 3 dimensions. Les personnages sont représentés sur les cartes par des modèles 3D, et on peut réorienter la caméra pour changer l'angle de vue. Ça n'empêche pas le gameplay de rester fermement en 2 dimensions, l'axe vertical n'est jamais mis à contribution. Les animations de combat passent également en 3D, et c'est une grande perte. Autant les sprites animés des épisodes GBA restent visuellement plaisants aujourd'hui, autant les mouvements robotiques et lents de ces modèles 3D peinaient à convaincre déjà en 2005. Si vous accordez un tant soit peu de valeur à votre temps, vous allez rapidement désactiver ces animations de combat et vous contenter de celles sur la carte du jeu, qui trouvent quand même le moyen d'être trop longues. D'où Jésus. Plus positif, les capacités de la GameCube, sans commune mesure avec celles de toutes les consoles ayant accueilli un Fire Emblem jusque-là, permettent d'une part d'afficher les portraits des personnages en plan américain, donc jusqu'au genou, pour rendre honneur au formidable travail de chara-design de l'illustratrice Senri Kita, et permettent également une OST riche et complexe, libérée du processeur sonore de la GBA. Enfin, Path of Radiance profite de cinématiques animées pour ses gros moments de scénario, qui sont très bien foutus, mais que leur faible résolution a fait mal vieillir, et qui sont plombés par un doublage anglais imposé et assez aléatoire. On s'en souvient surtout pour ses répliques à la direction d'acteurs absentes, et son casting souvent douteux. Ah, you're up. About time. Mais il y en a des parties que je trouve réellement réussies. That was my name. Once. But I... threw it away. The only weapon I need is right here. Donc, puisque Path of Radiance partage les bases de game design de FE7, qu'on a déjà décortiqué dans la vidéo qui lui est consacrée, on va se concentrer ici sur les évolutions et ajustements par rapport à cette formule de base, qui font de cet épisode, de mon point de vue, l'un des sommets de sa série, sans oublier pour autant d'expliquer ce qui l'empêche lui aussi d'atteindre la perfection. Vous êtes dans Esquive la boule de feu, et aujourd'hui, c'est Fire Emblem Path of Radiance.
Si vous n'avez qu'une connaissance superficielle des deux Fire Emblem qui se passent sur le continent de Tellius, vous savez sûrement qu'ils sont universellement loués pour ce qu'ils racontent, un aspect qui n'a pas toujours été une force de la série. Pourtant, ce n'est certainement pas le scénario de Path of Radiance qui va réinventer la roue. Notre personnage principal, Ike, est le fils de Grail, le meneur d'un groupe de mercenaires basé dans le pays de Crimea, qui vient d'entrer en guerre avec son voisin l'empire expansionniste de Dain. Ces mercenaires recueillent par hasard la princesse de ce pays en fuite, Elincia, et décident de l'accompagner et chercher des alliés dans les nations voisines. Durant cette fuite, Grail meurt de la main d'un mystérieux chevalier noir, laissant à Ike les rênes de la compagnie. Il l'amènera à travers des batailles éprouvantes jusqu'à gagner le respect et le soutien de la dirigeante de la troisième grande nation humaine, la théocratie de Bénion, qui le nommera général et lui fournira une armée pour qu'il puisse rouler sur le reste du continent et rendre à la princesse Elincia son pays. Foule en délire, fête populaire, générique. Ce scénario tient sur un timbre poste déjà usé par les Fire Emblem précédents et consiste en une application rigoureuse du format du voyage du héros de Campbell, dont on a déjà parlé avec Zelda. Toutes les étapes et les clichés sont là, le jeune héros qui quitte son monde ordinaire pour découvrir les mystères et merveilles qui l'attendent à l'extérieur, la mort du mentor, l'apothéose, le retour triomphant, etc. Ce qui va rendre cette histoire excellente, parce que croyez-moi elle l'est, c'est la combinaison d'une très bonne écriture, en tout cas en version anglaise, notablement moins en version française, d'un monde richement construit et rempli d'idées saisissantes, et de thématiques profondes traitées avec beaucoup plus de sérieux et de pertinence que ce qu'on peut raisonnablement attendre d'un RPG tactique, dont le scénario est habituellement surtout là pour justifier les batailles. On va donc se pencher un peu en détail sur ce que Path of Radiance raconte, en séparant arbitrairement l'histoire en trois actes, et évidemment c'est le moment des spoilers, donc si vous voulez rester vierge de toute connaissance de cette histoire avant le mariage, je vous encourage à passer à la partie suivante. Ou mieux encore, à jouer au jeu. Le premier acte, qui pour moi prend fin à la mort du père de Ike, sert à la fois d'introduction progressive aux personnages principaux, au monde qu'ils habitent et aux mécaniques de jeu. Et il fait tout ça particulièrement bien. Les membres des mercenaires de Grail sont tous introduits avec soin, ce qui inclut leur rôle dans le groupe, leur place dans la hiérarchie, leur personnalité exubérante, sérieuse, agressive ou renfermée, et leur spécificité en termes de gameplay. Ils continuent d'intervenir dans le scénario durant tout l'acte, ce qui les rend beaucoup plus présents et importants que ne le sont généralement des personnages secondaires de Fire Emblem. Par exemple, quand il s'agit de décider si la bande place la princesse Elincia sous sa protection, Grail demande leur point de vue à chacun de ses mercenaires, et récolte d'ailleurs des avis divergents parce que ces personnages ont des visions du monde parfois contradictoires, et ces différences ne sont gommées que par leur camaraderie. L'attachement du joueur à cette bande de mercenaires à la fin du premier acte a donc toutes les raisons d'être conséquent, et c'est presque au détriment du jeu parce qu'il va avoir du mal à vous convaincre de les remplacer plus tard par d'autres unités moins bien introduites, mais aussi utiles sinon plus, par exemple le cavalier Kiran. Pour l'introduction du monde, de sa géographie et de sa politique, c'est tout aussi progressif. Le jeu se retient de s'ouvrir, comme c'est généralement le cas, par une présentation du continent et de ses différentes nations, pour se concentrer sur le quotidien très terre-à-terre de Ike, entre mission routine avec les autres mercenaires pour chasser des bandits, et entraînement avec son père. Ce n'est qu'une fois que la question d'aider ou non Elincia se pose, et que la politique devient une préoccupation concrète des mercenaires de Grail, au chapitre 4, qu'on aura enfin droit à une carte montrant Crimea, sa capitale, et l'emplacement de la base des mercenaires. Et il faudra encore attendre que la compagnie envisage de fuir Crimea, deux chapitres plus tard, pour avoir la première vision d'ensemble du continent, avec les frontières de Crimea, Dain et Galia. Et même ainsi, il reste des nations qui attendent encore d'être introduites. Et pendant ce temps, sur le volet du gameplay, vous vous familiarisez tranquillement avec les commandes de base, les différents types d'unités, le triangle des armes, les villages à sauver, les unités vertes à secourir, les chapitres de défense, etc. Tutoriel qui culmine avec la mort de Grail, et la prise en main du groupe de mercenaires par Ike, qui signifie que vous pouvez désormais pleinement gérer votre équipement, votre argent, vos soutiens et votre expérience bonus dans le menu de commandement au début de chaque chapitre. C'est assez formidable. La fuite du pays de Crimea pour mettre la princesse à l'abri va être l'occasion d'introduire le pays voisin de Galia, et les Laguses, qui sont l'autre espèce dominante du continent, des humains capables de prendre une forme animale, en l'occurrence pour les Galiens une forme féline. Les Lagus sont LA meilleure idée de Path of Radiance en termes de worldbuilding. On ne se lasse jamais de leur fantastique design, d'explorer leur culture et de la hype incroyable qui entoure les surpuissants rois Lagus. Le roi de Galia, par exemple, Kengis, est un lion, un type de Lagus félin assez rare, et naturellement destiné à mener le reste de son espèce. Son sprite est imposant, il irradie la badassitude et il faudra attendre le jeu suivant pour avoir un aperçu de sa puissance au combat. Mais plus important que ça, la coexistence de deux types d'humains intelligents sur ce continent, les Laguses et les humains ordinaires ici appelés Beork, est l'occasion d'explorer des thématiques de racisme qu'on voit très rarement dans des productions japonaises, et je dirais même qu'on voit rarement dans des productions vidéoludiques en général autrement que comme une analogie d'une situation bien réelle, typiquement la communauté afro-américaine aux États-Unis. Ici, Path of Radiance va parler de racisme dans l'absolu, de la haine ou de la peur de ce qui est différent et de toutes ces terribles conséquences humaines, sociales et géopolitiques, sans que ça renvoie spécifiquement à un élément de notre monde ou de notre histoire.
Et cette thématique centrale du racisme est introduite dans ce premier acte à travers les personnages qu'on a appris à apprécier, les mercenaires de Grey le même. Chinon et Gatori sont pleins de préjugés et de supériorité déplacée à l'idée de se rendre à Galia, et Soren, qui est pourtant normalement un personnage posé et réfléchi, fait preuve d'une hostilité stupéfiante face au premier Lagus que vous rencontrerez, pour des raisons complexes qui seront exposées à l'échelle des deux jeux. Les autres membres de la troupe sont simplement circonspects, à l'exception de Grey et Titania qui ont déjà séjourné à Galia et noué des liens avec les Lagus. Et les Lagus eux-mêmes n'ont initialement aucune sympathie pour les Beorc. Ike, quant à lui, fait office de substitut du joueur par rapport à ces questions, car il a tout à découvrir et est capable de les aborder avec une naïveté et une ouverture d'esprit qui font défaut à presque tous les autres personnages. L'acte 2 court ensuite jusqu'au moment où Ike est nommé général et change de classe à la fin du chapitre 17. C'est un autre grand moment de rebuilding car chaque chapitre ou presque est l'occasion d'introduire ou de développer une nouvelle culture. Les bêtes de Galia, les paysans d'un village côtier de Crimea, les lagus corbeaux de Kilvas qui attaquent les navires à proximité de leur territoire et font office de corsaires pour Dain, les dragons de Goldoa, les faucons de Phoenicis, la théocratie de Bénion avec son aristocratie pompeuse, son organisation sociale et sa géographie, et le peuple quasiment éteint des Hérons dans la forêt de Serenès. C'est là que Path of Radiance vous engloutit sous sa narration phénoménale. Chaque chapitre est l'occasion de découvrir de nouveaux concepts ou pans de cet univers fascinant, des personnages qui ne deviendront cruciaux dans le scénario que bien plus tard dans Radiant Dawn, des commentaires sociaux étonnamment pertinents, des cinématiques super cool, et d'aller de plus en plus loin dans l'exploration de cette thématique centrale du racisme. On nous présente des citoyens de Crimea, donc le pays quand même des gentils, qui préfèrent courber la tête devant l'envahisseur plutôt que d'accepter l'aide de Lagus, et qui participent volontiers à ce qui, malgré la représentation graphique timorée de l'événement, est techniquement un lynchage en public. On démantèle avec l'aide d'une armée de libération underground un trafic d'esclaves Lagus dont profite la noblesse de Bénion. On a des exemples de politiques différentes de la part des nations Lagus par rapport aux Beorc, entre Galia qui essaye de nouer des liens avec ses voisins, Kilvas qui vend ses services à Dain, Phoenicis qui mène une guerre à Bénion pour venger des atrocités passées, et Goldoa qui pratique activement l'isolationnisme. Et on aborde le problème ultime du génocide ethnique, avec le massacre de Serenès durant lequel presque tous les Laguzérons ont perdu la vie, et qui a créé une fracture apparemment définitive entre les peuples oiseaux et les humains. L'un des seuls survivants de ce massacre, le prince Rhaeson, est évidemment plein de haine et ça ne s'arrange clairement pas quand son prétendu ami le roi des corbeaux le dupe et le vend comme esclave à un aristocrate pourri. C'est aussi à Bénion qu'apparaît clairement l'autre thématique principale de Path of Radiance, qui est décidément un vrai jeu de gauchiste parce qu'il s'agit du gouffre qui existe entre les populations et leurs dirigeants bourgeois déconnectés de la réalité. C'est communiqué de manière très claire par la noblesse de Bénion, corrompue, vaine, protocolaire, qui se place elle-même au-dessus des lois et qui entend bien mener le pays pour servir ses propres intérêts. Mais on peut aussi voir ça dans les discussions entre des membres de notre équipe très ancrés dans leur classe sociale, entre d'un côté Brom ou Néphénie qui viennent de la campagne et ont été enrôlés dans l'armée de force, et de l'autre des chevaliers de naissance noble, comme Tanis ou Geoffrey. Même ces connards de citoyens de Crimea qui balancent des cailloux à leurs alliés Lagus et ouvrent leurs portes à l'envahisseur sont là pour nous faire comprendre que le peuple est souvent complètement détaché du manège des dirigeants. Comme le fait remarquer Soren, les humains sont des créatures cyniques qui ignorent toutes les misères tant qu'elles ne les touchent pas directement. Enfin, l'antagoniste de cette histoire, le roi Ashnar de Dain, s'inscrit complètement dans cette thématique car son objectif est de créer un monde où la position sociale ne résulterait pas des privilèges héréditaires, ou des titres d'un individu, mais de sa valeur martiale. Et on peut comprendre, voire approuver cet idéal, même si les méthodes d'Ashnar en font un homme à abattre. L'acte 3, enfin, qui va de la nomination de Ike comme général à la fin du jeu, décrit la campagne pour vaincre Dain et reconquérir Crimea, et c'est la partie du jeu qui ressemble le plus à un Fire Emblem classique. On va de point stratégique en point stratégique, chacun donne lieu à une bataille, et il n'y a pas beaucoup de suspense parce qu'on sait dès le départ comment ça va se passer. Ike et son armée vont écraser toute l'adversité comme un bulldozer, et tout va bien se terminer. Cette fatalité est encore facilitée par le comportement particulièrement idiot d'Ashnar, qui à chaque étape laisse des failles béantes dans ses défenses ou sacrifie ses troupes avec pour seule justification la conviction complètement débile que Ike et son armée ne pourront jamais le tuer lui. C'est donc de mon point de vue la partie du jeu la moins intéressante, qui plus est parce que c'est là que sont concentrés les chapitres les plus critiquables en termes de gameplay, et parce qu'elle est un peu trop longue pour ce qu'elle raconte. Pour autant, la bonne écriture est toujours là et on a droit à un certain nombre de scènes qui apportent un commentaire sur la guerre en général. En plus des commandants ennemis souvent très sympathiques et qu'on regrette de tuer, on a plusieurs fois l'occasion de voir la réaction de la population de Dain à ce qui est techniquement une invasion de leur territoire, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ne nous accueillent pas comme des libérateurs. Ces passages nous font comprendre que dans un vrai conflit motivé par des intérêts divergents, on est toujours le méchant de quelqu'un,
Une notion qui sera encore développée dans Radiant Dawn quand on cessera de suivre uniquement le point de vue de Crimea. Et en parlant de Radiant Dawn, ce dernier acte prend le temps de mettre en place des enjeux pour ce continent et cet univers qui dépassent l'échelle de cette guerre que les personnages sont en train de mener, mais qui ne seront explorés que dans le deuxième jeu. Avec l'introduction du médaillon de Leran, aussi appelé le Fire Emblem, wink wink nudge nudge, censé contenir une divinité du chaos qui se réveillera si la guerre embrase tout le continent, et avec une suite d'indices qui semblent indiquer que derrière Ashnar se cachent des individus qui tirent les ficelles de manière à provoquer cette guerre générale, on se doute bien, tandis que défile le générique de fin, que la reconquête de Crimea n'était qu'une résolution temporaire, et qu'il y a encore des choses à raconter dans cet univers. Clairement, Path of Radiance ne fait pas partie de ces jeux qui ont eu une suite parce qu'ils ont bien marché et qu'il fallait capitaliser sur ce succès. Déjà parce qu'il n'a pas bien marché, et ensuite parce que le foreshadowing d'éléments de Radiant Dawn est constant dans ce jeu, d'une manière qui m'évoque grandement les Trails in the Sky. Il s'agit sans le moindre doute d'une histoire écrite dès le départ pour être développée en deux volets. Les deux personnages principaux de cette première partie, Ike et Elincia, ne brillent certainement pas par leur originalité. L'un est le héros fort et généreux, l'autre est la princesse pure et dont la main semble coller à sa poitrine. Mais ils ont le mérite d'être taillés en fonction des deux thématiques principales de l'histoire. En effet, les principales qualités de Ike sont son ouverture d'esprit, qui lui vaut le respect et le soutien des Béorques comme des Laguses, et son appartenance au bas-peuple, qui lui permet de comprendre ses problématiques et de bousculer les méthodes des nobles. Personne ne manquera de remarquer que c'est la première fois que le personnage principal d'un Fire Emblem est un simple mercenaire, et pas un noble de naissance. Et ce n'est pas anodin. Ike sera anobli au moment de prendre le commandement de l'armée d'Elincia, mais pour rester fidèle à ses valeurs et à son origine sociale, il abandonne ce titre à la fin du jeu. Elincia, quant à elle, est l'héritière d'un roi qui avait comme projet politique la paix et l'alliance avec les Laguses, et elle est une dirigeante ayant manifestement à cœur le bien-être de son peuple. C'est pour une fois plutôt par son ensemble de personnages secondaires que Path of Radiance brille, car ils sont sensiblement plus développés que ceux à quoi on est habitué dans Fire Emblem. En plus de leur introduction et en plus de leur conversation de soutien qui profite de la bonne écriture générale du jeu, la plupart d'entre eux ont aussi droit à une ou plusieurs conversations optionnelles dans la base, entre deux batailles. Conversations qui font beaucoup pour leur donner une place dans l'équipe, voire un arc qui s'accomplit au fil du jeu. Prenons juste deux exemples parmi mes personnages favoris. Soren est le mage et le stratège des mercenaires de Grail. Comme les autres membres de ce groupe, il est très présent durant le premier acte, et reste un proche conseiller de Ike durant tout le reste du jeu, même si vous le perdez au combat. Il ne mâche pas ses mots et est généralement celui qui va énoncer les vérités blessantes, avec un utilitarisme à toute épreuve. Son caractère renfermé est traduit par son faible nombre d'options de soutien. Il ne peut discuter que avec Ike, qui est son seul ami au point que la romance homosexuelle est au minimum suggérée, ou avec le mystérieux épéiste Stéphane. Dans les deux cas, la conversation de soutien de rang A révèle que, comme Stéphane, il est un marqué, c'est-à-dire le produit de l'union d'un Laguse et d'un humain, incapable de prendre une forme animale mais qui vieillit très lentement et rejeté par les deux sociétés. Le joueur attentif aura d'ailleurs remarqué que Soren a le même type de tatouage rouge sur le front que tous les Laguses dragons qu'on croise dans cette histoire. C'est un point d'univers fascinant mentionné nulle part ailleurs dans le jeu et qui deviendra pourtant central dans Radiant Dawn, et je trouve ça formidable qu'il soit comme ça dissimulé au fond d'un dialogue de soutien. Deuxième exemple, nous avons Jill, instantanément excellente puisqu'elle est rousse, qui est initialement une cavalière wyvern de Darn. Sur un excès de zèle, elle poursuit nos héros seuls en mer et finit par leur venir en aide quand ils sont attaqués par des Laguses corbeaux, parce que c'est une chose de se faire la guerre entre humains, mais là c'est quand même des sous-humains quoi. C'est donc un cas unique de personnage qui vous rejoint par racisme envers vos adversaires. Et pendant quelques chapitres ensuite, sa position au sein de l'équipe est incertaine. Elle reste avec vous un peu par défaut, parce qu'elle ne peut de toute façon pas vous ramener à ses chefs, et aussi parce qu'elle est un peu déstabilisée par ce à quoi elle assiste. Le trafic de Laguses, la rencontre avec les dragons, etc. Son option de soutien la plus intéressante, on s'en doute bien, c'est avec une de vos unités Laguses, Lethée, la féline. Et sans en dire plus, c'est probablement le meilleur dialogue de l'histoire de Fire Emblem. Mais l'arc de Jill n'est pas fini. Lors du troisième acte, on prend d'assaut sa région natale de Talrega, défendue par nul autre que son père, ce qui met la loyauté de Jill à rude épreuve au point qu'elle désertera pour le camp ennemi si jamais vous avez le sadisme d'essayer de la faire tuer son papa. Mais sinon, elle accepte cette bataille comme une étape nécessaire pour mettre fin aux agissements d'Ashnar, ce qui montre qu'elle a parcouru bien du chemin depuis qu'elle suivait simplement le mouvement sans se questionner sur la validité de ses actes. Tous les personnages du jeu n'ont pas un tel développement, évidemment. Mais il y en a quand même suffisamment pour que je me risque à affirmer que la série Fire Emblem n'a jamais aussi bien réussi ses personnages secondaires que dans Path of Radiance. Donc, narration, worldbuilding, personnages, tout ça est bel et bien la grande force de ce jeu. Mais évidemment, la plus grande partie de votre temps va être passée à déplacer des unités sur une carte, plutôt qu'à lire du texte. Donc voyons maintenant comment Path of Radiance s'en sort pour ce qui est de son gameplay. Si à sa surface, Path of Radiance semble reprendre à la lettre le gameplay de FE7,
En réalité, il y a un certain nombre de nouvelles mécaniques, pas forcément explicitées d'ailleurs, qui concourent à en faire un jeu sensiblement plus riche, et que l'on va examiner ici en distinguant d'abord celles qui affectent le volet stratégique, donc à long terme du jeu, et ensuite celles qui affectent son aspect tactique, donc à court terme, à l'échelle d'un chapitre. Pour ce qui est de la stratégie donc, nous avons en premier lieu et surtout la bonus expérience. L'idée est qu'à la fin de chaque chapitre, le joueur obtient une certaine quantité de points d'expérience supplémentaires, l'équivalent de 4 ou 5 niveaux en mode normal et environ 2 niveaux en mode difficile, qu'il peut ensuite répartir à sa convenance entre ses unités lors de la préparation pour la bataille suivante, ou même garder sous le coude pour plus tard. Grâce à ça, il est très facile d'entraîner des personnages faibles pour qu'ils rattrapent rapidement le niveau du reste de votre armée. Et d'ailleurs, le jeu vous le fait très bien comprendre, car le chapitre lors duquel vous avez pour la première fois accès à de la bonus expérience est aussi celui où Mist et Rolf vous rejoignent au niveau 1. Mais son principal intérêt est plus subtil que ça, c'est que l'obtention d'un maximum de bonus expérience est liée à l'accomplissement d'objectifs secondaires, ou alternatifs comme on le verra dans la partie suivante, ou au fait de terminer rapidement les chapitres. La simple existence de cette mécanique ajoute donc de l'enjeu même aux maps les plus nazes, et encourage le joueur à explorer les limites de ses compétences tactiques et des possibilités de ses unités. Et ça, c'est formidable! Rien que pour cette raison, l'expérience bonus mérite pour moi le titre de meilleure mécanique de jeu de la série Fire Emblem, avec des majuscules partout. Et je ne comprends pas pourquoi, après avoir eu cette idée de génie, Intelligent System l'a définitivement laissé tomber à partir de Shadow Dragon sur DS. Est-ce que c'est parce qu'on peut abuser de la RNG en réinitialisant le jeu dans la base jusqu'à avoir un level up qui nous plaît? À ce moment-là, le problème est avec la RNG, pas avec le concept de bonus expérience, et d'ailleurs on verra la prochaine fois que dès Radiant Dawn, des améliorations pertinentes ont été apportées au système de bonus expérience pour éviter ce problème. Non, vraiment, je comprends pas. Une mécanique bien moins réussie et dont personne ne souhaite le retour, c'est le biorhythme. Peut-être avez-vous terminé Path of Radiance sans jamais avoir remarqué et encore moins exploité la mécanique de biorhythme. Et ça n'a rien d'étonnant parce que le jeu n'explicite jamais son fonctionnement, pas même de loin, et il est difficile de la remarquer par soi-même. Chaque personnage a quelque part dans son écran de statut sa courbe de biorhythme, qui est une sinusoïdale sur laquelle il avance un tout petit peu après s'être battu 10 fois, et modérément chaque fois que l'histoire avance d'un chapitre. Tant que le personnage est sur la partie haute de la courbe, il a plus 5 en précision et en esquive. Et tant qu'il est sur la partie basse, il a moins 5 en précision et en esquive. Et vous n'allez jamais vous en rendre compte. C'est un bonus malus tellement négligeable dans un jeu où vous avez 100 de précision la plupart du temps de toute façon, que je serais bien étonné que qui que ce soit joue en tenant compte du biorhythme, même en difficulté élevée. Donc c'est un fail, mais pourtant je comprends et j'approuve la motivation derrière cette mécanique. J'imagine qu'il s'agit de vous encourager à varier les unités que vous déployez, en laissant sur la touche celles qui y sont sur un mauvais biorhythme, le temps d'un chapitre. Une version très light de l'excellente mécanique de fatigue présente dans Fire Emblem 5, qui rendait les unités non déployables le temps d'un chapitre quand elles avaient accumulé trop de fatigue. Mais pour que le joueur joue le jeu, il faudrait d'une part qu'il soit mis au courant, et d'autre part que le bonus malus ait un réel impact. Ensuite, nous avons la promotion automatique des unités au niveau 20. Auparavant dans Fire Emblem, vos unités ne pouvaient changer de classe qu'en leur donnant un certain objet à partir du niveau 10. Objet trouvable en quantité limitée, et on avait relevé la dernière fois que ça menait à des embouteillages en milieu de jeu, et des restrictions quant aux unités que vous pouviez utiliser si elles devaient se battre pour le même objet de promotion. Sans être révolutionnaire, la promotion automatique au niveau 20 règle ce problème mineur, et est donc bienvenue. Et pour garder l'option stratégique de promouvoir des unités tôt pour passer temporairement au-dessus de la courbe de difficulté, Path of Radiance a une poignée de magistères qui peuvent s'utiliser sur n'importe qui à partir du niveau 10. En parlant de mécaniques qui étaient un peu foireuses sur GBA, le système de soutien a été lourdement revu. Ses deux principaux problèmes étaient que le jeu ne vous disait jamais comment il marchait, ni même d'ailleurs qu'il existait, et que faire progresser la relation de soutien entre deux personnages nécessitait de les faire poireauter pendant des heures l'un à côté de l'autre sur le champ de bataille, jusqu'à ce qu'ils puissent échanger quelques lignes de dialogue, par ailleurs agréablement bien écrites. Dans Path of Radiance, la relation de soutien entre des personnages compatibles augmente automatiquement quand ils sont déployés ensemble dans un chapitre, donc vous allez naturellement débloquer ces conversations au fil de votre progression dans le jeu. Là encore, Mist et Rolf sont automatiquement déployés durant le chapitre 9, et ils débloquent donc forcément leur première conversation pour vous montrer que ça existe. Le bon game design bien croustillant. Les conversations elles-mêmes varient en intérêt et en longueur, mais sont toujours plutôt bien écrites et en l'occurrence souvent reliées aux thématiques du jeu. Tous les dialogues entre un Laguz et un Beorc explorent intelligemment les différences culturelles et l'incompréhension entre ces deux peuples, les dialogues entre des nobles et des roturiers mettent en lumière le fossé qui sépare ces classes sociales, et les interactions entre des citoyens de Criméa, de Bénion et de Dain sont l'occasion de comparer le système politique des différentes nations et de justifier que ces personnages leur soient fidèles. C'est plutôt cool. Comme sur GBA, chaque personnage est cependant limité à 5 dialogues de soutien pour l'entièreté du jeu, et ne peut donc atteindre le niveau A qu'avec un seul autre personnage. C'est toujours un crève-cœur de ne pas avoir accès à toutes ces autres conversations, mais s'il n'y avait pas une telle limite, le tiers du temps de jeu serait passé à lire des dialogues de soutien,
et ce n'est manifestement pas l'expérience visée par les développeurs. Enfin, pour finir avec les nouvelles mécaniques en lien avec la stratégie, vous pouvez entre chaque chapitre forger une arme, lui donner un nom bien claqué qui reflète votre bon goût et votre niveau d'éducation, et lui conférer des stats pétés moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi, donner une arme forgée à une unité faible peut lui permettre de gagner plus vite des niveaux ou de rattraper une mauvaise RNG lors de ses level-up. Et la limitation à une seule forge par chapitre en fait une ressource limitée. Mais en pratique, le jeu vous noie sous des torrents de flousse comme s'il était le lobby de l'agroalimentaire et que vous étiez le ministre de l'environnement, et que vous pouvez tout à fait vous permettre de forger à chaque chapitre une nouvelle arme au nom très spirituel, en maximisant sa force, sa précision et son taux de critique pour en équiper à la longue l'ensemble de votre armée. Ce qui a comme effet secondaire regrettable de diminuer grandement l'intérêt des armes rares telles que celles en argent ou létal. Donc il s'agit d'une bonne idée de mécanique, mais implémentée de manière bien trop facilement abusable. Ensuite, pour ce qui est des mécaniques qui influencent l'aspect tactique, on peut commencer par remarquer que Path of Radiance ajoute deux options de repositionnement en plus de l'excellent sauver-déposer qui existait déjà sur GBA. Et les options de repositionnement, c'est toujours bienvenu, ne serait-ce que pour enrichir les possibilités d'action du joueur et lui permettre de rattraper ses erreurs. Ici donc, les unités à pied peuvent maintenant dépenser leur tour pour se pousser entre elles, ou même pousser un adversaire d'une case. Les usages de cette commande, apparemment toute conne, sont multiples. Rapprocher un personnage avant de le déplacer pour lui permettre d'atteindre un point précis de la carte, repositionner un personnage après qu'il ait attaqué pour par exemple le sortir de la zone d'attaque d'un boss, libérer un espace pour qu'une autre unité vienne s'y placer, coincer un ennemi ou l'écarter pour pouvoir atteindre une unité plus dangereuse derrière. C'est une mécanique très riche, et c'est assez rigolo de constater ce qu'on peut accomplir avec des chaînes de poussée dans certains chapitres, mais malheureusement elle est un peu obscure. Tout le monde ne peut pas pousser tout le monde, c'est déterminé par la caractère de poids. Il faut que le poids de l'unité poussée ne dépasse pas celui de l'unité qui pousse de plus d'un point, et il se trouve que le poids est quelque chose d'assez peu intuitif. Volk le voleur a 11 de poids et ne peut donc pas être poussé par Ike le mercenaire qui a 9, et Lethe la Catgirl s'est vraiment laissée aller sur les croquettes parce qu'elle a 21 de poids même sans être transformée, et ne peut donc pas être poussée par Brom le titan. Comme le joueur n'a pas accès à la formule exacte qui détermine s'il est possible de pousser ou non, il va y aller un peu au feeling, et c'est toujours un peu agaçant quand une stratégie ne peut pas être exécutée parce que le poids de vos unités n'est pas réaliste. Les unités montées ne peuvent pousser personne, mais à la place elles bénéficient de la mécanique appelée Kanto, qui leur permet de terminer leur mouvement même après avoir attaqué. C'est très très fort et très très utile, et c'est un des facteurs qui font que le cast de Path of Radiance est totalement dominé par les unités à dos de cheval, de pégase ou de dragon. Mais là encore, ce n'est pas Kanto le problème. C'est normal que leur mobilité soit le principal intérêt des unités montées. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est surtout baisser leur puissance et leur résistance pour qu'elles soient obligées de jouer autour de cette mobilité, en soutien de vos unités à pied plus puissantes et plus solides. Ensuite, nous avons la réintroduction des compétences, qui, comme le Kanto d'ailleurs, viennent originellement de Fire Emblem 4, auquel bien trop peu de gens ont joué, puisque insérer ici une blague sur un énième chef-d'œuvre japonais jamais officiellement traduit en anglais. La plupart des personnages ont une compétence qui leur est propre, et vous obtenez au fil du jeu des parchemins pour leur en enseigner d'autres. Leur effet va du négligeable, comme Sérénité qui diminue de moitié les effets du biorhythme, comme si c'était pas déjà assez insignifiant, au très utile comme Parangon qui double tout simplement l'expérience reçue, en passant par le situationnel comme Contre qui peut renvoyer la moitié des dégâts subis, mais qui a un pourcentage de chances d'activation basé sur la caractère de technique. Même si dans ce jeu elles ne sont pas aussi bien équilibrées qu'elles pourraient l'être, et leur effet pas forcément bien explicité, les compétences sont une très bonne mécanique, qui contrairement à d'autres dont on a parlé ici, est devenue depuis un standard pour la série Fire Emblem. En plus d'enrichir vos options tactiques, elles ont comme principal intérêt d'apporter de la diversité aux unités au sein d'une même classe, sur la base de leur personnalité. Si on regarde par exemple les trois mages qu'on recrute dans la première moitié du jeu, Soren, Illyana et Tormod, en plus d'autres détails comme l'élément qu'ils préfèrent manier ou les taux de croissance de leur carac, chacun d'entre eux a une compétence vaguement en lien avec son histoire qui le distingue nettement des autres en termes de gameplay. Soren a Adept, qui lui permet assez régulièrement de frapper 3 voire 4 fois au lieu de 2, et fait donc de lui le meilleur attaquant des 3. Illyana a Ombre, qui fait préférer aux unités ennemies d'autres cibles qu'elles quand elles ont le choix, c'est donc la plus facile à garder en vie, et Tormod a Célérité, qui augmente sa portée de mouvement de 2 cases, faisant de lui le plus mobile des 3 et le plus à même de soutenir le rythme imposé par vos unités montées. Enfin, une composante importante de la tactique dans Path of Radiance est le fonctionnement des Lagus en tant qu'unité. Les Lagus ont une jauge de transformation qui, une fois pleine, leur fait prendre automatiquement leur forme animale. Sous cette forme, ils sont excessivement puissants, assez pour faire des confettis avec tout ennemi qui ne s'en prend pas à eux avec leur faiblesse élémentaire ou des armes anti-lagus. Mais sous leur forme normale, leur mouvement est réduit, ils ne peuvent pas attaquer et sont terriblement vulnérables. La barre de transformation se remplit progressivement tant que le lagus n'est pas transformé, et ensuite baisse progressivement à chaque tour et à chaque affrontement auquel il participe. Ce cycle est suffisamment lent pour que chaque lagus n'ait qu'une seule période d'activité au cours d'un chapitre, à moins qu'il soit inhabituellement long.
La barre commence plus ou moins remplie selon le personnage, ce qui va leur donner une utilité plutôt en fin ou en début de chapitre. Par exemple, parmi les deux premiers Lagus que vous recrutez, l'essai commence le chapitre avec sa barre pleine, se transforme dès le premier tour et redevient normal vers le tour 5, tandis que Mordecai passe les 5 premiers tours sous cette forme, à pousser des gens, avant de se transformer au tour 5 pour être utile en fin de chapitre et avaler le boss tout cru. Deux objets permettent de contourner cette mécanique très contraignante de barre de transformation, les pierres Lagus, qui sont un objet consommable remplissant instantanément la barre, et le bandeau demi, qui permet aux Lagus de garder sa forme bestiale en échange d'une réduction modeste de ses caracs. Ajoutons à ça que les Lagus gagnent lentement en niveau et n'ont pas de promotion après le niveau 20, pour refléter que ce sont plus des forces de la nature immuables que les Béork, et vous avez là une catégorie d'unités qui se joue radicalement différemment de ce à quoi on a l'habitude dans Fire Emblem. D'une manière très appropriée au vu des thématiques du jeu, cette différence peut mener le joueur à rejeter totalement les unités Lagus. Et je sais que ça a été mon cas pendant au moins toute ma première partie. Mais le jeu force et vous en donne un paquet, y compris une que vous ne pouvez pas raisonnablement refuser d'utiliser, Rayson le Héron, qui remplit le rôle classique du danseur dans ce jeu. Le danseur a habituellement comme seul pouvoir de permettre à une de vos unités de rejouer, ce qui est très utile, et c'est effectivement ce que fait Rayson. Quand il n'est pas transformé. Au tour 5, il se transforme, et là ça devient une autre histoire. Il a maintenant 8 de mouvement, vole par-dessus les obstacles, et permet de rejouer aux 4 unités autour de lui. C'est ridiculement cramé. Du coup, d'une manière qui reflète très bien les événements de l'histoire autour du chapitre 18 où on le recrute, Rayson va être LE personnage qui abat les réticences du joueur les plus hostiles aux Lagus, et leur faire en utiliser au moins un. Et ça, c'est vraiment classe. Bon, donc Path of Radiance a tout un tas de mécaniques uniques, certaines oubliables, certaines mal équilibrées, mais la plupart riches et pertinentes. Mais vous connaissez la musique, les mécaniques ça ne suffit pas à faire un bon jeu, et dans Fire Emblem spécifiquement, une grande partie du plaisir de jeu va plutôt venir du map design. Pour être sûr qu'on soit sur la même base, commençons par rappeler les éléments objectifs qui font une bonne ou une mauvaise map dans Fire Emblem. Les deux choses les plus importantes sont d'encourager le joueur à utiliser toutes les unités qu'il déploie, et à prendre des risques mesurés pour que le gameplay soit stimulant. La meilleure manière d'accomplir ça, c'est d'avoir des objectifs secondaires de type un allié à recruter avant qu'il meure, ou des maisons à visiter avant qu'elles soient détruites par des brigands. A ce titre, j'ai déjà dit et je maintiens que les chapitres de défense sont tous par défaut excellents, puisqu'il vous impose le rythme de l'armée adverse, et ce jeu a la bonne idée d'en présenter un certain nombre. En dehors de ça, toute sorte de pression temporelle est bienvenue, et je rappelle que Path of Radiance a en permanence la carotte de la bonus expérience, qui est une forme douce de pression temporelle. Au-delà de ça, il y a la notion de rythme. Les meilleures maps disposent leurs ennemis et leur terrain de manière à ce que quelque chose de nouveau se passe à chaque tour, tandis que les moins bonnes vous font perdre du temps en repositionnement ou vous baladent dans des couloirs vides pendant 15 tours. Cela étant dit, l'idée de cette partie est d'examiner quelques chapitres remarquables, en bien ou en mal, qui illustrent au mieux l'approche du map design de Path of Radiance. Commençons par le chapitre 26. Pourquoi ? Ben parce que c'est le niveau 0 du map design. Il s'agit d'un grand carré quasiment vide de décor, avec des paquets d'ennemis posés ça et là, que vous devez traverser en diagonale pour occuper l'entrée du fort, et sans aucun objectif secondaire. Tout est réuni pour vous encourager à déployer la brigade Poney, à traverser la carte à toute allure avec Ike en travers de la selle pour le poser sur la case à occuper, et à finir au tour 4. Peut faire bien mieux. Mais peut aussi faire pire, parce qu'encore c'était tout au plus une carte inintéressante, et il y en a quelques-unes dans Path of Radiance qui sont activement agaçantes. Les chapitres 21 et dans une moindre mesure 16, qui prennent place dans des intérieurs étroits où vos unités avancent à la queue leu-leu, testent activement votre patience. Ils sont trop longs, il y a trop de coffres pour que le temps qu'il faut pour tous les ouvrir coïncide avec celui qu'un joueur efficace met à remplir l'objectif principal, même en déployant deux voleurs, et le jeu se permet de vous ralentir encore avec des mages ennemis capables d'endormir vos unités à distance pour les empêcher d'agir durant 4 tours. Là encore, c'est surtout vos unités montées et volantes qui vont pouvoir contribuer le plus, ne serait-ce que parce qu'elles laissent tout le monde in the dust. Mais encore, vous êtes en contrôle tout le long de cette randonnée au ralenti, parce que le niveau suprême de casse-couillitude dans Fire Emblem, ça reste les gimmicks imprévisibles. Ici, je n'en vois que deux, dans les chapitres 23 et 25. Le chapitre 23 vous demande de traverser un pont. Bon, déjà, pas d'objectif secondaire, pas de multiples routes pour séparer vos unités, ça démarre mal. Mais ce qui est vraiment embêtant, c'est que certaines cases de ce pont sont des pièges qui immobilisent pour le reste du tour toute unité terrestre qui passe dessus durant son déplacement, et la laisse en plan, vulnérable. Et vous n'avez aucun moyen de savoir où sont ces trous. C'est pas aléatoire, mais ça ne répond pas non plus à une quelconque logique. Et je peux vous dire que même en ayant déjà terminé ce jeu 5 ou 6 fois, j'ai quand même l'impression d'être à nouveau tombé dans tous les putains de trous de ce putain de pont.
Alors ça va que les unités ennemies ne tapent pas hyper fort et que les vôtres puissent généralement survivre à un tour d'immobilisation, mais même dans le cas où ça ne résulte pas en une catastrophe, la simple existence de ces trous vous empêche de prévoir quoi que ce soit et ralentit inutilement le gameplay. Donc méchant gimmick, pas bien. Dans le chapitre 25, ce n'est pas mieux, vous devez escalader une montagne en éliminant tous les ennemis, pas d'objectif secondaire, yada yada, mais au moins vous êtes censé séparer vos forces en deux groupes. Le gimmick ici, c'est que vos adversaires vont larguer des rochers depuis le haut de la carte, qui vont débarrouler jusque tout en bas en retirant 10 PV à tout ce qu'ils croisent. 10 PV, ça va, c'est pas grand chose. Sauf si vous vous en prenez plusieurs à la suite, ou s'il y a d'autres ennemis derrière pour finir le travail. Et là encore, le principal problème, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur ce gimmick. Ni le moment où les rochers sont lâchés, ni leur trajectoire ne semble obéir à une quelconque logique. Si on regarde ces deux rochers par exemple, ils partent en suivant une trajectoire identique, mais ensuite l'un continue tout droit dans la pente, et l'autre en fait le tour pour faucher vos unités. Vous êtes très susceptible de perdre des personnages sur une mécanique que vous ne maîtrisez pas, et c'est parfaitement exaspérant. Bon, jusque là c'est pas glorieux, mais j'ai volontairement commencé par les quelques mauvaises maps que contient Path of Radiance, parce qu'il se trouve que ce sont vraiment des exceptions, et que tout le reste est bien, voire excellent. Le map design typique de Path of Radiance est parfaitement exemplifié par le chapitre 11. Sans s'apesantir sur les dialogues particulièrement profonds et le drama qui se déroule ici avant que l'action ne démarre, ce chapitre coche toutes les cases pour être le golden standard. Objectif secondaire, check. Il y a trois routes pour traverser la ville en diagonale, chacune contient une maison à visiter et celle du haut a un personnage à recruter en lui parlant avec un laguse. Il y a également des miliciens qui vous rapportent de l'expérience bonus si vous évitez de les tuer en les contournant par la ruelle. Pression temporelle, check. Il y a deux voleurs qui vont cambrioler la maison du centre autour d'eux, une escouade de cavaliers wyvernes qui débarque en bas à droite au tour 5 avec Jill que vous voulez laisser en vie pour la recruter au chapitre suivant, et le motherfucking chevalier noir qui sort de la maison dans la ruelle lorsque vous commencez à affronter le boss. Du coup, intégration du scénario dans le gameplay, check! La narration avant la bataille vous montre que le chevalier noir est là dans cette maison, donc il ne sort pas de nulle part, et ses stats ridiculement élevées en font un trou noir ambulant. Si jamais vous avez un personnage dans sa portée d'action lorsqu'il met la tête dehors, vous pouvez lui dire adieu, même si c'est le meilleur tank du jeu. C'était le meilleur tank du jeu. J'ai perdu Mordecai sur le chevalier noir. À partir du moment où il est actif, la tension monte d'un cran, surtout en mode difficile où il se déplace à chaque tour. C'est certes un peu cheap de perdre une unité sur le chevalier noir quand il sort de sa baraque et se jette immédiatement sur vous, surtout que la condition de son apparition est loin d'être claire et que Path of Radiance n'a en dehors de ça aucun cas de renfort qui bouge lors du tour où ils arrivent. Mais je pense que c'est fait exprès pour donner au chevalier noir un gros facteur waouh et faire de lui une force insoutenable qui ne respecte même pas les règles du jeu. De manière plus mineure, mais quand même digne d'être mentionnée, les habitants des maisons ne vous donneront pas leur objet si vous les visitez avec un laguse, ce qui complémente très bien le propos du chapitre sur la stupidité dont font preuve les habitants de Crimea avec ceux qui sont pourtant leurs alliés. C'est vraiment un chapitre admirable. Passons maintenant au chapitre 15, qui est l'inévitable map désertique. Le sable qui ralentit vos unités terrestres, et rend en particulier les chevaliers en armure et les cavaliers quasiment inutilisables, n'a jamais été une bonne idée, et je sais pas pourquoi Intelligent Systems s'évertue à en mettre une dans chaque jeu. Ici cependant, entre les laguses peu affectés par le sable, les mages étrangement non concernés et vos unités volantes, vous avez un minimum de marge de manœuvre. Mais surtout, il y a un twist. Tous vos adversaires sont des laguses en attente de se transformer, et vous gagnez plus d'expérience bonus en les épargnant que d'expérience tout court en les tuant. Donc c'est une situation assez unique dans la série où vous allez dresser des plans pour foncer jusqu'au boss en esquivant ses cartes du corps le plus vite possible, tout en récupérant un maximum d'objets enterrés dans le sable, et si possible Stéphane, à recruter en amenant un de vos lagus jusqu'à une case spécifique dans le coin en haut à droite, qui gagne haut la main le concours du personnage dont la méthode de recrutement est la plus absconce. C'est un bon exemple de ce que l'expérience bonus peut faire d'original pour rendre intéressante une map qui partait mal, et ce n'est pas le seul dans le jeu. Le chapitre 22 se passe dans un temple, où des bandits ont élu domicile et pris en otage des prêtres. Là encore, vous allez donc essayer de finir le chapitre en épargnant tous ces prêtres innocents, qui sont présents sur la carte en tant qu'unité rouge pour la plupart des armées. Mais comme ils bloquent le passage et font office de bouclier pour les bandits, le seul moyen de progresser sans les tuer est d'utiliser sur eux la commande pousser pour les dégager du passage. Rien que ça, c'est déjà un gimmick intéressant, non pas parce qu'il vous permet de violenter en toute impunité les représentants d'une religion organisée, mais parce qu'il va vous demander des tactiques uniques et vous encourager à laisser vos unités monter au garage pour déployer plutôt des piétons capables de pousser. Et en plus de ça, la carte est plutôt bien foutue, puisqu'elle présente, en plus de son corridor principal où sont la plupart des prêtres et le boss, deux ailes contenant des coffres bien juteux, mais par où vont arriver des renforts, donc vous allez séparer vos forces, faire contribuer tout le monde, etc, etc, 10 sur 10. Un troisième exemple de gimmick tournant autour de l'expérience bonus, mais cette fois raté,
c'est l'infiltration de la prison du chapitre 10. Vous pouvez, et probablement vous allez, aborder le chapitre normalement, all guns blazing et faisant avaler leur acte de naissance aux gardes, en ouvrant toutes les cellules et en forçant le passage jusqu'à la sortie. Mais il se trouve que si vous terminez le chapitre sans alerter les gardes, et sans déclencher l'arrivée des renforts, vous gagnez un appétissant total de 700 points d'expérience bonus. Donc il s'agit du seul chapitre d'infiltration de la série Fire Emblem. Sauf que l'exécution des mécaniques d'infiltration est absolument foirée. Comme le jeu n'explique pas ce qui résulte en une détection, le joueur va y aller à l'instinct, et essayer soit de rester derrière les gardes, hors de leur champ de vision, soit de les abattre en un round de combat pour ne pas leur laisser l'occasion d'appeler à l'aide. Comme dans un jeu d'infiltration, quoi. Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Vous êtes instantanément détecté si vous abattez un garde, si vous finissez votre mouvement dans la portée d'attaque d'un garde, même derrière lui, et si vous brisez une porte pour l'ouvrir. Mais pas inexplicablement si vous attaquez le boss dans la salle des coffres près de la sortie. Et quand bien même vous potasseriez une fac sur internet pour savoir exactement ce que vous pouvez faire ou non, l'autre problème, c'est que les portées d'attaque des trois gardes se recouvrent tellement bien qu'elles ne vous laissent qu'une ou deux cases de libre pour y placer des unités. Donc si vous voulez recruter les prisonniers, vous allez devoir faire des shenanigans très peu intuitifs avec la commande sauver pendant des plombes, et franchement, c'est plus casse-couille qu'autre chose. Dommage parce que comme les spectateurs réguliers de la chaîne l'auront peut-être relevé, j'ai un petit faible pour l'infiltration, et c'est une idée de chapitre qui mérite d'être revisitée un jour et d'être exécutée correctement. Maintenant revenons un peu sur l'intégration du scénario dans le gameplay, parce qu'il n'y a pas que dans le chapitre 11 que Vasafradion fait ça très bien. Il y a beaucoup de chapitres où des événements scénaristiques viennent modifier à la volée un objectif ou le rapport de force. C'est probablement un des jeux de la série avec le plus d'interruptions du gameplay par des scripts et des dialogues. Certains chapitres servent d'ailleurs principalement à faire passer un point de scénario, et on va en examiner deux. D'abord le chapitre 19, qui vous voit affronter une alliance entre les soldats d'Ain et les Lagus Corbeaux de Kilvas, menés par leur roi Nessala. Tout l'enjeu de ce chapitre est d'arriver à faire déserter les Corbeaux, parce que même si les Lagus de base ne sont pas bien menaçants, Nessala, lui, peut vaporiser n'importe laquelle de vos unités, est trop tanky pour que vous puissiez envisager de le tuer, et sa portée d'attaque couvre la moitié de la carte. Comme vous le suggèrent vos alliés faucons avant la bataille, il faut donc arriver à faire discuter l'un d'entre eux avec Nessala, ce qui signifie d'abord trouver un moyen de l'attirer, après quoi il ira de lui-même parler avec Rayson et décidera de retirer son armée. Les corbeaux deviendront alors des unités vertes, qui vous rapportent de l'expérience bonus si elles parviennent à fuir par le bord de la carte, et l'armée de Daïn se retrouvera bien conne avec ses 10 péons restants face à vos troupes. Finir le chapitre à partir de là n'est plus qu'une formalité. C'est court, c'est original, et ça communique bien par le gameplay les caractéristiques des Lagus Corbeaux, donc je valide. Dans le même genre, le chapitre 28 tourne autour de l'affrontement, hypé pendant le reste du jeu, entre Ike et le Chevalier Noir. La première partie est une prise de château courte et plutôt facile, mais dès que vous avez saisi le trône, Ike et Myst s'enferment avec le Chevalier Noir pour un affrontement décisif. Si vous avez entraîné Myst, elle peut contribuer en soignant Ike à distance ou en éliminant les renforts, mais sinon, Ike peut éventuellement s'en sortir tout seul avec des élixirs. Par défaut, même si ses caracs sont aussi hautes que possible, Ike est moins fort et moins résistant que le Chevalier Noir, qui a en plus environ 30% de chance d'activer sa compétence Luna sur ses attaques au corps à corps pour ignorer la moitié de la défense de Ike, et régénère 10% de sa vie à chaque tour. Donc, c'est mal parti. Votre seule chance est d'avoir d'une part entraîné Ike autant que possible, et d'autre part de lui avoir appris des compétences pour rattraper son manque de punch, idéalement son attaque ultime Ether, qui peut faire un gros trou dans la barre de vie du Chevalier Noir tout en soignant partiellement Ike. Si jamais vous n'avez pas les moyens de gagner, par exemple si vous n'avez pas plus que ça entraîné Ike, vous pouvez toujours prendre la fuite, mais d'une part vous recruterez alors un personnage moins bon que si vous lui avez fait mordre la poussière, et surtout vous aurez la honte d'avoir niqué l'arc scénaristique du personnage principal. Ce qui rend ce combat particulièrement tendu, c'est que vous êtes en temps limité, vous n'avez que 6 tours si vous voulez gagner, après quoi le château s'écroule et l'effet est le même que si vous aviez fui. Et votre victoire dépend quand même beaucoup de l'activation aléatoire de votre Ether ou du Luna du Chevalier Noir. Comme en plus vous devez refaire la première partie dans le château en cas de défaite, cet affrontement souffle un peu le chaud et le froid. C'est impressionnant d'être arrivé à mettre en place une situation de duel au sommet en conservant les mêmes mécaniques que dans le reste du jeu, mais ce serait bien que son issue soit un peu moins aléatoire. Pour finir, parlons du chapitre 17, la fin du deuxième arc du jeu qui se concentre sur la problématique de l'esclavage des Lagus à Bénion. Ike et compagnie se rendent dans les restes calcinés de la forêt de Serenès pour retrouver Rayson, à qui l'apôtre de Bénion veut présenter ses excuses officielles au nom de son pays. Mais Rayson, lui, est aveuglé par la rage et veut se rendre au cœur de la forêt pour activer une magie ancienne qui supposément va dévaster le pays. Le duc de Thanas, qui veut posséder Rayson en tant qu'animal de compagnie ou esclave sexuel, c'est pas très clair, bat la forêt à sa recherche avec son armée, et le roi des faucons et ses lieutenants sont aussi présents pour le retrouver. C'est une situation initiale complexe, et de manière très impressionnante, elle évolue et trouve une résolution au sein de ce seul très long chapitre, que je considère être le sommet de Path of Radiance. Au cours du chapitre, votre équipe va trouver une autre survivante du massacre des Hérons, la sœur de Rayson, Léane,
et la défendre contre les hommes de main du duc. Le roi Faucon retrouve Rayson, et ensemble il se rallie à Ike en voyant qu'il protège l'Iron. Et vous faites enfin bouffer sa moustache au Trouduc, laissant l'occasion à la diplomatie entre les peuples de prendre le relais. Pour permettre une telle évolution scénaristique, le chapitre est séparé en 4 sections, qui présentent les 4 objectifs typiques de la série Fire Emblem. Décimer l'armée adverse, atteindre une case avec le personnage principal, résister à l'assaut ennemi pendant un nombre fixé de tours, et finalement abattre le boss. Comme c'est très long, c'est probablement le moment où un certain nombre de vos unités vont passer au niveau 20, et être promus, y compris Ike qui a sa promotion automatique à la fin du chapitre. En termes de gameplay, ces 4 parties n'ont rien de révolutionnaire, c'est du Fire Emblem standard, mais leur exceptionnel enrobage scénaristique en fait de mon point de vue le meilleur passage du jeu, et un exemple éclatant de liaison narration-gameplay dans un RPG tactique. Bilan, Path of Radiance a beaucoup de bonnes maps, peu de mauvaises maps, et celles qui flottent entre ces deux extrêmes sont de toute façon relevées par la mécanique d'expérience bonus. S'il y a bien une chose à regretter, c'est le déséquilibre entre les différents arcs. Les très bonnes maps sont concentrées dans le deuxième tiers du jeu, tandis que les plus mauvaises sont concentrées dans le dernier tiers, ce qui, avec la mise en retrait des principales thématiques, participe au manque d'intérêt relatif de cette dernière partie. Mais c'est surtout parce que ce qui est venu avant était exceptionnel. Jusque-là, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Path of Radiance, mais si vous avez ne serait-ce qu'une connaissance superficielle de la série dans son ensemble, vous savez que la critique universellement formulée à l'encontre de cet épisode spécifique, c'est qu'il est trop facile. Et c'est malheureusement vrai, et on va voir pourquoi. Mais avant ça, il faut expliquer en quoi consiste la difficulté pour la série Fire Emblem, et pourquoi c'est important de la calibrer correctement. Il y a 2 biais par lesquels un Fire Emblem peut être considéré difficile, et les deux méritent d'être explorés. Le premier, c'est en nécessitant du joueur de recommencer les chapitres plusieurs fois pour éviter de perdre des unités, même s'il a l'impression de jouer correctement. Les facteurs de reset imprévus sont nombreux, des ennemis qui portent un coup critique improbable, des renforts surprises qui bougent le tour même où ils arrivent, un boss qui n'est pas statique alors que tous les autres dans le jeu le sont, un gimmick qui n'est pas contrôlable par le joueur, ou encore, le plus fréquent, une RNG particulièrement bitchy qui vous fait manquer plusieurs attaques ou esquives dont les prévisions étaient pourtant parfaitement raisonnables. Quand en plus le jeu ne fait pas grand chose pour vous permettre de remplacer vos pertes et continuer à jouer, vous êtes hautement susceptible d'attendre à chaque chapitre l'alignement de planètes qui fera que votre stratégie s'exécutera sans accroc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que selon l'épisode de la série Fire Emblem que l'on considère, des décisions de game design bien concrètes vont venir mitiger ou au contraire accentuer cette difficulté. Par exemple, Conquest sur 3DS a tout pour démultiplier les resets. Les ennemis frappent fort, ils peuvent s'assister les uns les autres d'une manière difficile à prévoir, la précision de vos unités est suffisamment imparfaite pour que plusieurs de vos attaques manquent leur cible à des moments critiques, très peu d'options de repositionnement vous permettent de rattraper les effets d'une mauvaise RNG, et le jeu cesse de vous fournir de nouvelles unités dans son dernier tiers. A l'extrême inverse, dans Three Houses, des lignes vous montrent qui les unités ennemies ont l'intention d'attaquer pendant leur tour, et vous mâchent donc une partie de la réflexion. Et la mécanique de l'impulsion divine permet de remonter dans le temps pour rattraper tout ce qui est malchance ou mauvaise décision un nombre limité de fois. Par conséquent, le joueur ne va probablement jamais avoir à recommencer un chapitre du début, sauf s'il joue très mal. Certaines personnes apprécient et recherchent ce type de difficulté. Et pour les accommoder, je pense que tous les jeux de la série devraient disposer d'un mode de difficulté extrême. Mais ce n'est pas mon cas, je trouve que ce type de difficulté est plus source de frustration que de satisfaction, ou de fierté, et je préfère de loin l'autre manière de générer de la difficulté dans un Fire Emblem. Cet autre moyen, c'est de créer des situations qui nécessitent un haut niveau de réflexion, par le biais des objectifs à accomplir, des unités à votre disposition, et de leurs compétences, du placement des ennemis et du terrain, et de la superposition d'enjeux à court, moyen et long terme. L'échec par rapport à ce type de difficulté, ce n'est pas forcément de perdre un personnage. Ça peut être d'échouer à obtenir des objets utiles en sauvant un village, ou de ne pas recruter une unité, ou de ne pas optimiser l'expérience gagnée pendant le chapitre. Chaque fois que le jeu vous demande de mettre à contribution toutes les unités que vous avez déployées et d'employer leurs forces au meilleur endroit au meilleur moment, c'est de la bonne difficulté. Chaque fois qu'un groupe d'ennemis est trop imposant ou trop bien armé pour pouvoir simplement y envoyer votre tank et que vous devez dresser des plans pour les séparer et les affaiblir, c'est de la bonne difficulté. Et chaque fois que le jeu vous encourage à tordre vos stratégies pour gaver d'XP une unité très faible histoire qu'elle devienne très forte, en mobilisant le reste de vos troupes pour lui donner la béquée tout en la protégeant, c'est de la bonne difficulté. À la décharge de Conquest, cet épisode est aussi très riche en ce type de difficulté, et le combine avec l'autre pour vous faire vraiment cracher du sang. A l'inverse, Fire Emblem Awakening, le premier épisode sur 3DS, en est quasiment dénué. La manière objectivement optimale pour passer la quasi-entièreté du jeu est de déployer uniquement vos deux personnages principaux pour que l'armée adverse vienne se cracher dessus.
Et pour ce qui est des équipements et de l'expérience, vous pouvez les farmer en dehors des chapitres principaux. Vous n'avez presque jamais besoin de réfléchir. Cela étant dit, si je devais évaluer Path of Radiance par rapport à ces deux visions de la difficulté, il serait dans tous les cas plutôt facile. Et nous allons entreprendre d'expliquer pourquoi. La première chose à savoir concernant la difficulté dans Path of Radiance, c'est qu'elle est passée par le filtre de la localisation. Dans la version japonaise, il y avait un mode normal, un mode difficile et un mode maniaque. Pour le reste du monde, le mode maniaque disparaît, remplacé par un mode facile. Donc le plafond et le plancher de difficulté sont tous les deux plus bas pour nous européens que dans la version d'origine. Et j'en profite pour dire que la capture de jeu que vous voyez depuis le début de cette vidéo est réalisée en mode normal, et que mes commentaires pour le moment se réfèrent à ce mode de difficulté précisément, parce que j'estime que la plupart des joueurs n'envisagent le mode difficile qu'à partir du moment où ils ont déjà terminé le jeu une fois. Ensuite, un gros facteur de facilité dans Path of Radiance, c'est Titania. Titania n'est pas seulement rousse, elle est aussi extrêmement forte, mobile et disponible pendant virtuellement l'intégralité du jeu. Elle appartient à un archétype de personnage qualifié de Jägen, en référence au premier d'entre eux qui accompagnait Mars dans Fire Emblem 1. Les Jägen sont généralement des paladins, donc des cavaliers déjà promus, bien plus puissants que le reste de vos unités en début de jeu, mais qui sont censés être à la longue rattrapés puis dépassés par les personnages que vous entraînez. Ce sont des béquilles sur lesquelles le personnage principal et le joueur ont la possibilité de s'appuyer. Titania cependant est une mauvaise exécution de cet archétype. Pour commencer, ce n'est pas une béquille, c'est un jetpack, avec ses caracs de malade, son accès à tous les types de haches et de lances, la compétence Kanto et 9 de mouvement, elle est littéralement invincible pendant les 10 premiers chapitres, et peut se catapulter loin en avant du reste de vos troupes pour attirer toute l'armée ennemie sur elle. Et ensuite, ses taux de croissance sont suffisamment élevés pour assurer qu'elle ne devienne jamais obsolète. Et même dans le dernier tiers du jeu, vous n'avez qu'à lui donner une hachette et la compétence solaire, qui lui permet de régénérer périodiquement ses PV quand elle attaque, pour qu'elle continue de dévaster des pans entiers du champ de bataille à elle seule. Pour autant, il serait exagéré de dire que Titania peut solo le jeu. C'est le cas des chapitres qui demandent juste de parcourir la carte et de tuer un boss, mais Path of Radiance a suffisamment de chapitres de défense ou dont les objectifs secondaires demandent des tactiques un peu acrobatiques pour que vos autres unités n'aient jamais aucun mal à trouver des choses à faire. Ensuite, nous avons tout un ensemble de mécaniques très favorables aux joueurs. L'argent coule à flot et permet non seulement de ne jamais se soucier de la vétusté de notre équipement, mais également de forger une arme pétée à chaque chapitre ou presque. Non, je ne crois pas au ruissellement pour ma part. La mécanique d'expérience bonus permet de répartir comme on veut une partie de l'expérience gagnée et d'entraîner sans risque nos unités les plus faibles. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il est parfaitement possible d'en abuser en réinitialisant le jeu si le level up que vous obtenez ne vous plaît pas. Certaines combinaisons de compétences peuvent faire de vos unités des machines à tuer qui ne craignent plus rien. On a déjà parlé de solaire sur les paladins qui leur permet de s'auto-alimenter en PV, mais il y a aussi la combinaison de initiative, qui vous fait toujours frapper en premier même quand c'est l'adversaire qui initie l'attaque, avec Kourou, qui augmente de 50% vos chances de placer un coup critique quand vos PV sont en dessous de la moitié. Regardez comment Brom lave le sol avec cette bande de guerriers à partir du moment où ses PV passent ce seuil. Les armes spécifiquement efficaces contre un type d'unité, comme le cabalucide ou le marteau, n'infligent à ces unités que le double de dégâts et non le triple, comme c'est le cas dans le reste de la série. Donc vous ne perdrez jamais Titania sur un cabalucide, ou votre chevalier dragon sur un archer. À côté de tout ça, la densité et la puissance de vos adversaires n'a jamais rien de bien effrayant. La courbe de difficulté ne semble pas tenir compte de toutes ces options et avantages que vous avez, et vous finissez mécaniquement par passer largement au-dessus de cette courbe de difficulté, à partir d'environ la moitié du jeu, quand tous vos personnages deviennent des demi-dieux intouchables et invulnérables, que les unités ennemies doivent s'y coller à 15 pour mettre en difficulté. Parallèlement à ça, Path of Radiance accommode extrêmement bien la permadeath, et si vous allez probablement réinitialiser les chapitres quand vous perdez des personnages, simplement parce que vous y êtes attaché, en pratique, le jeu vous donne tout ce qu'il faut pour continuer sans. L'expérience bonus vous permet d'entraîner instantanément un perso qui jusque-là chauffait le banc de touche, et à partir du chapitre 15, le jeu va vous permettre de recruter des unités pré-promues très puissantes, qui n'auront rien à envier à celles que vous avez perdues. Pour preuve de ça, la partie que j'ai enregistrée dans cette vidéo est un Iron Man, c'est-à-dire un type de challenge run où je me force à ne jamais reset à la perte d'une unité. Et ça a été une hécatombe! J'ai joué comme mes pieds! Bam, Soren! Bam, Oscar! Bam, Mia! Bam, Jill! Boom, Boyd! Patatras, Mordecai! Je suis arrivé à perdre Mordecai! Et vas-y toutes les unités que je peux plus recruter en plus de ça parce que j'ai plus la bonne personne pour leur parler. Et malgré ça, le jeu m'a suffisamment noyé sous les renforts et les pré-promus pour que la fin du jeu passe crème. Et ça a même été l'occasion de me servir de personnages qui jusque-là étaient systématiquement restés au garage, comme Tormod, Geoffrey, Toroneo ou Sauce. Sauce. Donc oui, Path of Radiance est un des épisodes les plus faciles de la série, au point de souvent ne nécessiter qu'une réflexion très sommaire de votre part pour avancer dans le jeu et le terminer. Mais c'est une affirmation que je vais quand même mitiger.
D'une part, le bon map design et la mécanique de bonus expérience font que vous êtes très encouragé à ne pas vous contenter du minimum syndical pour finir les chapitres, et à chercher à jouer de manière optimale pour finir en le moins de tours possible et accomplir les objectifs secondaires, ce qui signifie prendre des risques, dresser des plans et réfléchir. C'est une forme de difficulté auto-imposée par la présence d'une carotte bien juteuse plutôt que par le bâton que représente la mort de vos personnages. Et ensuite, aussi facile qu'il puisse être, Path of Radiance respecte quand même les principes de base d'une série qui, par la force des choses, est exigeante et repose sur vos compétences intellectuelles. En clair, je veux dire que Path of Radiance n'a pas de mode casual, mais la discussion autour du principe et de la pertinence du mode casual devra attendre à esquiver la boule de feu sur un jeu qui contient un mode casual. En attendant, adressez toutes vos lettres d'insultes à l'éducation nationale qui me les transmettra. La solution évidente, si vous voulez quand même vous torturer les méninges sur Path of Radiance, c'est de vous mettre tout de suite sans vergogne en mode difficile. Certes, c'est là encore un des modes difficiles les moins difficiles de la série, mais il fournit tout de même une expérience bien plus satisfaisante que le mode normal, en rééquilibrant tous les aspects du jeu. Il y a plus d'ennemis, et ils tapent plus fort, vous gagnez beaucoup moins d'expérience bonus, qui devient une vraie ressource précieuse, et moins d'argent, que vous ne pouvez du coup plus jeter par les fenêtres et claquer dans la forge d'armes pétées. Et le dernier chapitre est lourdement modifié pour en faire un climax approprié. Pour certaines personnes, même ça ne suffira pas à rendre le gameplay de Path of Radiance suffisamment stimulant à leur goût. Et si c'est LE point crucial dans leur appréciation d'un RPG tactique, je ne peux que les rediriger vers les Fire Emblem plus hardcore. En ce qui me concerne, cependant, même si j'aurais apprécié que Path of Radiance soit parfaitement équilibré et atteigne le nirvana de la qualité ludique, je trouve qu'un jeu dont la plus grande qualité est son écriture et son worldbuilding a meilleur compte à être trop simple que trop difficile, car ainsi tout le monde peut en voir la fin, et ceux qui en veulent plus peuvent toujours s'imposer des challenge runs. Bon, au point où on en est, ce ne sera une surprise pour personne si je dis que Path of Radiance est probablement mon Fire Emblem préféré, et Dieu sait si j'aime l'entièreté de cette série. S'il n'est pas le plus stimulant dans son gameplay sur le vif, sa richesse mécanique, son fantastique univers, ses personnages et leurs artworks rendent ce point négligeable. Bien que ce soit un jeu plutôt long, une quarantaine d'heures en moyenne, c'est aussi un jeu auquel on rejoue volontiers, pour utiliser différentes unités, pour essayer un autre mode de difficulté, pour faire un challenge run ou juste pour remarquer des détails dans les conversations qui nous étaient passées sous le nez la première fois. Il ne réinvente pas la formule des Fire Emblem précédents, mais il la perfectionne et nous laisse en plus avec la perspective alléchante d'une suite pour continuer d'explorer cet excellent setting et ces personnages auxquels on s'est attaché. On pourrait donc s'attendre à ce que Radiant Dawn la joue safe et nous propose juste une bonne grosse platée de rab par rapport à ce jeu. Mais étonnamment, ce n'est pas le cas. Radiant Dawn est une expérience fort différente par bien des aspects, qui a pris des risques, qui dans certains cas ont payé et dans d'autres non. Et je trouve que ça mérite aussi d'être analysé dans le Esquive la boule de feu du mois prochain. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec mes prises de position, la série Fire Emblem est riche en éléments de game design qui se prêtent fort bien à la discussion, ou simplement si vous voulez m'insulter pour avoir laissé Seren mourir. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis portez-vous bien, et prenez garde à ne pas mettre vos lagus félins dans la portée des boules de feu.